la pratique du jeûne intermittent, ça va t'aider à ne pas grossir, faire des économies, gagner du temps lors de tes vacances et pouvoir quand même te faire plaisir. Par contre, il faut bien le faire, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que sinon ça peut gâcher tes vacances. Il y a 5 étapes à respecter et si tu veux les découvrir, eh ben c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Hello my friend, ça fait à peu près un mois qu'on est en Malaisie avec ma petite famille et là on est sur les îles Langkawi. Oh, des vacances dans les vacances. C'est vraiment magnifique, ça ressemble beaucoup à la Thaïlande. D'ailleurs, c'est à quelques kilomètres seulement de la Thaïlande. Et à vrai dire, bah, avec un bébé, c'est pas du tout le même rythme. C'est pas du tout le même rythme. Tiens, t'as vu, juste derrière moi, regarde, je vais te montrer. Juste derrière moi, c'est l'emblème de cette île Langkawi, parce qu'il y a beaucoup d'aigles ici. Enfin, il y a énormément de symboles autour de cet aigle-là. Et je te disais que c'est pas du tout le même rythme avec un bébé. Parce que c'est vrai que bah, en Thaïlande, on avait l'habitude de s'entraîner avec ma femme 2 fois par jour. Tu sors tout le temps, tu rentres, le soir aussi tu sors, tu marches. Sauf que là, c'est pas du tout le même rythme. Et du coup, tu peux pas te permettre de manger autant que ce qu'on mangeait en Thaïlande. Et là, on arrive à la plage. Donc elle est vraiment juste à côté de l'hôtel. Elle est même pas à 100 mètres. Il y a plein d'activités. Hello my friend, yeah. How are you? Okay, good? Good. Et là on arrive sur la plage, ça fait plaisir. Et donc on ne peut pas manger comme on avait l'habitude de manger parce que tout simplement, avant on faisait 2 séances d'entraînement par jour, donc 2 séances de boxe thaï. On sortait le soir, on marchait, etc. Et avec un bébé, bah, le rythme il est beaucoup plus lent. Donc si on mangeait comme on avait l'habitude de manger en Thaïlande, bah, my friend, c'est sûr que tu vas prendre du poids. Du coup, il y a une solution pour ça. Il y a une solution pour ça. Et en fait, je pense que c'est l'une des meilleures solutions si tu ne veux pas te prendre la tête en vacances, si tu ne veux pas grossir. Et en plus de ça, si tu ne veux pas exploser ton budget et gagner du temps. En fait, cette solution, elle est très simple. C'est de pratiquer le jeûne intermittent. La pratique du jeûne intermittent, ça va t'aider à ne pas grossir, faire des économies, gagner du temps lors de tes vacances et pouvoir quand même te faire plaisir. Par contre, il faut bien le faire, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que sinon ça peut gâcher tes vacances. Il y a 5 étapes à respecter et si tu veux les découvrir, eh ben c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Première étape, c'est de bien choisir ton type de jeûne intermittent parce qu'il en existe plusieurs. Il existe par exemple l'OMAD, il existe le 18-6 ou encore le 16-8. Moi personnellement, celui que je recommande, c'est le 16-8 parce que c'est le plus facile à tenir. Donc tu vas manger pendant une période de 8 heures et tu vas jeûner durant une période de 16 heures. Je trouve que c'est vraiment le plus simple à faire, mais il faut qu'il y ait une plage horaire de 16 heures de jeûne et ça te facilite énormément. Donc il faut vraiment que tu choisisses bien ton type de jeûne intermittent en fonction de toi. Et comme je te l'ai dit, le 16-8 pour moi, c'est le plus facile à tenir, le plus réalisable possible. Et simplement le plus tenable et celui qui va le moins te contraindre durant tes vacances. Ensuite, il y a un grand principe qu'il faut bien respecter. C'est pas parce que tu jeûnes durant la journée ou durant la nuit que tu pratiques le jeûne intermittent que tu vas pas grossir. Il faut respecter les bases de la nutrition. Ça veut dire que si tu manges n'importe quoi dans n'importe quelle quantité, bien évidemment que même si tu jeûnes pendant 24 heures ce que tu veux, bah tu vas grossir. Tout est une question de balance énergétique. Tu manges trop par rapport à tes besoins, tu prends du poids. Tu manges moins par rapport à tes besoins, tu vas maigrir. Même si tu jeûnes, etc., t'inquiète pas que le corps, lui, il est bien fait. Donc attention à ça, attention à ne pas faire cette erreur-là. C'est pas parce que tu pratiques le jeûne intermittent que tu peux manger que des glaces, que du sucre, que des beignets, etc. Non, il faut apporter à ton corps ce dont il a besoin, les protéines, les glucides, les lipides. Si tu ne sais pas comment le faire, t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, il y a un guide offert que tu pourras télécharger. Et il reprendra tout ce que je suis en train de dire durant cette vidéo. Pas d'inquiétude, my friend, le lien, je te le mets directement en description. Troisième chose à faire, c'est de ne pas faire l'erreur de trop peu manger, justement. Parce que tu dis, c'est trop bien le jeûne intermittent, je vais en profiter pour perdre du poids. Et l'erreur à ne pas faire, c'est justement se sous-alimenter. Pourquoi ? Parce que déjà, le jeûne intermittent, ça va être quelque chose de nouveau pour ton organisme. Donc, ça va lui demander un petit temps d'adaptation. Si toi, tu viens, tu lui fais un jeûne intermittent, plus tu veux créer un déficit calorique qui est assez conséquent, il ne va pas se passer des bonnes choses. Ton corps il va dire « mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien et tout ». Donc tu risques d'être fatigué, tu risques d'avoir des carences, tu risques de ralentir un petit peu ton métabolisme. Et le problème, ce n'est pas forcément ça parce que ça se re-règle. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas définitif.
Le problème, c'est la période où toi, tu vas être en dérèglement et que tu vas avoir envie de manger tout et n'importe quoi. Et en plus de ça, bah, on le sait, en vacances, on a plein de choses à disposition. On a des gâteaux, des pâtisseries, des machins, des spécialités locales, des fritures. Et donc là, ça peut faire très mal. Donc attention à ne pas faire cette erreur-là. Oui, le jeûne intermittent va te permettre de mieux gérer, etc. Mais attention à ne pas faire cette erreur de dire « bah, je vais en profiter en plus pour maigrir d'un coup ». Non, fais le jeûne intermittent en mangeant les quantités dont ton corps a besoin, mais ne cherche pas à maigrir absolument, d'accord ? Donc, une fois que tu as fait ça, là, si tu veux et que tes vacances, elles durent un petit peu plus longtemps ou que tu veux continuer, même si tu n'es pas en vacances, là, tu vas pouvoir créer un déficit calorique de manière progressive. Et là, ton corps, il va se dire « mais oui, c'est exactement ça dont j'avais besoin ». Parce que bah, il faudrait que je te fasse une autre vidéo pour t'expliquer ça vraiment bien en détail. Mais le jeûne intermittent, les personnes vont se dire « le fait que je ne mange pas durant une certaine période, j'ai peur que mon organisme me pousse à manger et à grignoter ». Et en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse parce que comme tu ne vas pas manger durant une certaine période, bah, les études, elles ont montré, elles ont été claires, donc c'est scientifiquement prouvé que ce qu'on appelle l'HbA1c, c'est l'hémoglobine glyquée. Donc en gros, c'est le marqueur des variations de glycémie. Donc c'est ton historique de tes glycémies, et bah c'est stabilisé. Ce qui veut dire que ta glycémie est beaucoup plus stable lorsque tu pratiques le jeûne intermittent, ce qui veut dire qu'il y a moins de pics de glycémie, donc moins de production d'insuline, donc moins d'hypoglycémie réactionnelle. Et qui dit moins d'hypoglycémie réactionnelle dit moins de fringales, moins de fatigue, moins de coups de mou, moins d'envie de sucre. Tu vois où je veux en venir? Et du coup, tu as moins envie de manger. Pareil, le jeûne intermittent permet de réguler deux hormones qui sont la leptine et la gréline. Ces deux hormones qui sont responsables de la sensation de satiété. C'est pour ça que des fois, tu dis « je sais pas si j'ai faim, je sais pas si j'ai envie de manger », et bien ça peut être dû à cela justement. Donc le jeûne intermittent scientifiquement fonctionne. Et j'ai envie de dire l'erreur que beaucoup de personnes font en se disant mais j'ai peur d'avoir faim, etc. En fait, ce sont des fausses croyances. Tout comme les personnes qui ont pratiqué le challenge détox sucre que j'ai organisé au mois de février, beaucoup de personnes avaient, il y a plus de 500 personnes qui l'ont suivi, beaucoup de personnes se disaient mais je vais avoir des carences, je vais avoir des pulsions, surtout le sucre. Là, on parle de sucre, on te supprime le sucre totalement. Pas de gâteau, pas de bonbons, tout le sucre, on l'enlève. Bah, toutes les personnes, elles l'ont dit, et les témoignages, ils sont sur Trustpilot. Hein. Toutes les personnes, elles l'ont dit, je ne me suis jamais aussi senti bien de ma vie. Pourquoi? Parce que les glycémies sont stables. Et là, justement, dans le jeûne intermittent, tes glycémies, elles vont être stables. La leptine et la gréline vont être régulées. Donc la sensation de satiété va être régulée. C'est scientifique, c'est la science qui va t'aider. Et du coup, là, ça va vraiment te permettre de te détacher de la nourriture, de te détacher des envies de grignoter. Et en plus de ça, va te permettre de pouvoir te faire plaisir sans culpabiliser, sans y penser toute la journée. Ah, j'ai envie de manger ça, mais je peux pas, etc. En gagnant du temps et en profitant de tes vacances. Mais je parle des vacances aussi. Mais c'est valable dans la vie de tous les jours. C'est vraiment valable dans la vie de tous les jours parce que tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours. Moi, je le fais en vacances parce qu'en vacances, avec ma fille, avec le bébé, etc., les chaleurs, c'est pas forcément évident pour nous d'avoir le même rythme de vie que ce que l'on a en France. Donc, je fais le jeûne intermittent parce que ça me permet de gagner du temps, c'est beaucoup plus facile, je préfère. Et je peux me faire beaucoup plus plaisir parce qu'en vacances, j'ai envie de me faire plaisir. Tandis qu'en France, bah, je me fais moins plaisir, je fais moins d'excès. Du coup, le jeûne intermittent, il est parfait pour moi, mais il est parfait pour toi. Il est en train de lui voler une branche. Il est aussi parfait pour toi si tout simplement, bah, tu veux perdre du poids, même si tu es dans la vie de tous les jours. Et la dernière chose, et c'est une question très importante à se poser, c'est quoi faire après avoir fait le jeûne intermittent? Et bah, tu as deux solutions. La première solution, waouh, c'est magnifique, vas-y, je vais te montrer un peu comme ça au lieu de te montrer ma tête. La première solution, c'est de tout simplement continuer à pratiquer le jeûne intermittent. Si tu as perdu le poids que tu souhaitais perdre, et bah c'est très bien. Tu continues le jeûne intermittent, tu réaugmentes progressivement les quantités et tu peux rester sur le jeûne intermittent toute ta vie. Bien évidemment, à partir du moment où il est bien fait, tu peux rester sur le jeûne intermittent toute ta vie. Maintenant, tu dis, bon voilà, j'ai réussi à perdre du poids, je me sens mieux, j'ai aussi régulé ma relation avec la nourriture.
maintenant je vais arrêter le jeûne intermittent. Et bah, c'est tout à fait possible. Le jeûne intermittent, comment est-ce que tu vas faire pour l'arrêter? Déjà, tu vas réintroduire un repas durant les périodes de jeûne, mais il faudra diminuer les autres quantités. Parce que c'est pas, tu vas venir, tu vas réintroduire un repas et en plus tu manges comme avant. Sinon, ça te fait augmenter les quantités. Et si tu augmentes les quantités, bah, bien évidemment que tu vas prendre du poids et tu vas dire « Waouh, mais le jeûne intermittent, ça m'a servi à rien, regarde, j'ai fait l'effet yo-yo. » Non, il faut le faire de manière intelligente. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les régimes drastiques ne servent strictement à rien parce que tu vas reprendre ton poids derrière. Ils te diminuent à mort et bah, après tu remanges normalement et forcément tu prends du poids. C'est normal parce que la perte de poids n'aurait pas dû se faire parce que la perte de poids est mal faite et la perte de poids est de la perte de muscles et d'eau. Donc forcément que tu vas reprendre du poids. Donc ça, il ne faut pas faire. Donc si tu veux arrêter le jeûne intermittent, c'est tout à fait possible. Tu fais simplement l'inverse de ce que tu as fait quand tu as débuté. Donc tu vas ajouter un repas lors de ta période de jeûne que tu faisais habituellement. Mais par contre, tu vas diminuer les quantités. C'est-à-dire qu'au lieu de faire deux gros repas, eh ben, tu vas en faire trois, mais moyens ou petits. Comme ça te fait la même quantité, mais fractionnée. C'est comme si je te disais, tu as 150 euros à déposer sur ton compte bancaire. Avant, tu mettais 2 fois 75 euros. Bah, maintenant, tu vas plus mettre 2 fois 75 euros, tu vas mettre 3 fois 50 euros. En vrai, c'est super simple, c'est une question de logique. Et juste de fractionner. Super, super, super simple. J'espère sincèrement que cette vidéo, elle t'a plu parce que moi, c'est quelque chose que je rencontre maintenant. Les difficultés de se dire, il ne faut pas faire trop d'écart parce que sinon, tu grossis. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. Bon, maintenant, j'ai dépassé la trentaine, j'ai un bébé, ce n'est pas le même rythme, je ne peux pas faire exactement ce que je veux, etc. Donc, il faut faire plus attention. Avant, c'était beaucoup plus facile. Comme je t'ai dit, je faisais 2 séances de boxe par jour. Je te dis en vacances, 2 séances de boxe par jour. Je bougeais tout le temps, je marchais, je grimpais, on allait au waterfall. Et je dépensais je ne sais pas combien de milliers de calories, peut-être 3000, 4000, 5000 calories dans la journée. Là, maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. Pareil avec le bébé, ce n'est pas la même chose. On ne mange pas aux mêmes endroits. Enfin, ce n'est pas du tout la même organisation. Et du coup, je pense que le jeûne intermittent est parfait pour moi. Et je pense que le jeûne intermittent est également parfait pour les personnes qui souhaitent perdre du poids de manière saine, se réconcilier avec l'alimentation, parce que il faut que ça soit bien fait, bien évidemment, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de scientifique qui va vraiment t'aider. Les études, elles l'ont montré. Régulation de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, encore une fois, c'est le marqueur des variations de glycémie. Et s'il y a une régulation, c'est-à-dire que tes glycémies, elles ne varient pas comme d'habitude. Donc c'est une bonne chose qu'elles soient stables, t'as pas de fringales. Pareil, régulation au niveau de la leptine et de la gréline. Deux hormones responsables de ta sensation de satiété. Si elles sont régulées, bah, les hormones jouent avec toi, jouent pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la régulation aussi au niveau bah, de tout simplement la réduction de l'estomac, de la taille de l'estomac. J'ai pas besoin de te faire un dessin pour ça. D'ailleurs, il y a un truc, regarde, faut que je te montre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drapeaux australiens. J'espère que c'est l'Australie, parce que si on me dit « Ouais, non, c'est pas l'Australie !» En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits importés d'Australie ici, notamment la viande, notamment, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Australie que j'ai beaucoup vu? Tout ce qui est miel, tout ce qui est produits bio, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de produits importés ici. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais en tout cas, je pense que la pratique du jeûne intermittent, c'est magnifique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la pratiquer en vacances parce que ça me sauve la vie. Ça me permet de profiter, de ne pas grossir, de ne pas me prendre la tête. Et franchement, c'est top de ne pas toujours penser à où est-ce que je vais manger, etc. Et ça me permet de, lorsque je vais manger, de me faire plaisir et pas me dire non, c'est trop gras, c'est trop machin. Le fait d'avoir deux repas dans la journée, c'est parfait, my friend. Donc comme je te l'ai dit, si tu veux avoir le résumé de cette vidéo, j'ai fait un guide. Il est offert, il est gratuit. Tu as juste à le télécharger. Le lien, il est dans la description. Tu mets ton mail et moi, je te l'envoie sur ton adresse mail. Et si ça te plaît, tant mieux. Si tu veux en savoir plus, je t'en parlerai davantage. Si ça te plaît pas, bah, tu peux le mettre aussi en commentaire. Pourquoi est-ce que ça te plaît pas? Mais je pense que c'est génial. Je pense vraiment que c'est génial. Et franchement, l'Ankawi, c'est vraiment sympathique. On dirait Koh Samui. En moins développé, on va se le dire, mais en magnifique. Et franchement, il n'y a personne, regarde. Et là où je tourne, enfin, il n'y a personne. Il n'y a littéralement personne. C'est... Après, on n'est pas en haute saison, mais c'est trop calme. En plus, là, c'est un petit peu nuageux. Ça fait du bien parce que ça fait une sorte d'ombrelle, parce que le soleil, il tape quand même. Mais c'est vraiment top. La dernière fois, j'ai fait du jet ski aussi, c'était sympa.
Et franchement, sympathique, my friend. Bon, allez. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si je t'ai dit, si tu veux le guide offert, il est dans la description. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.